Bonjour, je m'appelle Annick Vincent, je suis psychiatre, je travaille au Québec. Ça fait plusieurs années que je travaille avec des gens qui ont un trouble du déficit de l'attention avec sans hyperactivité qu'on appelle le TDAH. Ça fait plusieurs années que j'ai le privilège de côtoyer ces gens-là, mais aussi de constater comment le TDAH peut amener des difficultés dans le quotidien des gens qui ont le TDAH et des gens aussi qui vivent autour de ces gens-là. C'est important de faire le diagnostic du TDAH et de pouvoir avoir accès à des traitements adéquats parce que justement, le TDAH entraîne des impacts fonctionnels. Ça peut être à la maison, ça peut être à l'école, dans la vie familiale, la vie professionnelle, la conduite automobile. Il y a plusieurs sphères de la vie de quelqu'un qui peut être touché par le TDAH. Et ce qu'on sait, c'est que quand le traitement est en place, que ce soit un traitement d'approche psychosociale, un traitement médical, on peut aider la personne à mieux vivre avec son TDAH et à atteindre son plein potentiel. J'ai eu le privilège d'accompagner plusieurs personnes qui ont un déficit d'attention et de les voir être capables de déployer justement ce plein potentiel-là. Et ce qui m'attriste actuellement, c'est de voir comment on manque de ressources pour être capable de faire un diagnostic adéquat et d'apporter en temps opportun à ces gens-là l'aide dont